Allez, bonjour à tous. Battle Garega, Rising, Hatering, un shoot fin 90, 2D, sorti en arcade, et aussi sorti sur la Saturn en 98. Il y a pas eu de partage sur la PS4 et Xbox en 2016. Shoot vertical, une tuerie, une bombe atomique. Les vaisseaux... Alors il y a des plans un petit peu, c'était Pierre Shark, le top plan, à l'époque. Essayer de toute urgence si vous ne connaissez pas. Alors on a des petites pièces. Let's go. Alors on a un choix de 4 vaisseaux. Moi je vais prendre celui-ci, les plans. Allez, hop. Et c'est parti. Alors, deux boutons. Un bouton de tir traditionnel, effectivement. Et après, un bouton, on va pouvoir utiliser des petites bombes pour glaner. Voilà, ici, par exemple, ici, j'ai chopé des petits items. Là-bas, à gauche de l'écran, on voit en collecte. Et là, à partir de ce moment-là, l'écran, on va en avoir une espèce de grosse quantité. On va pouvoir envoyer quelques petites salves. Signifie qu'on a envoyé une salle de bombe. Alors, ça cancelle pas, hein, comme peut-être un jeu de shoot. Ça va bien utiliser, hein. C'est vraiment hyper important de bien collecter tout cela et d'utiliser à bon escient. Parce que si on les bazarde, à bon escient, ça peut être vite compliqué à l'écran après. Voilà. Ça fait bon, on l'a dit. C'est un titre complètement magique. Il est pas très très long. On va dire qu'il y a une peut-être 40 minutes de jeu, 5 stages. Là, ça mange la pièce. À chaque crédit, on peut choisir le vaisseau. Enfin, le gouvernement, pardon. C'est cette vue en tête. C'est une belle profondeur de champ. Le dessin est magnifique. Et à chaque stage, on a des univers différents. La musique, elle, est en dingue. Une immersion terrible. Les compositions sont très 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 bien faites. Désolé du ski, là, je me fais exploser en parlant. Faut pas hésiter à prendre la petite bande, là. On va pas avoir besoin tout de suite. À noter que chaque vaisseau a un tir différent. Aïe aïe aïe. Allez. Voilà, hop. Hop, lui, on balance. Une salve de tir supplémentaire. Ça fait un certain dégât. Écoutez cette musique. Il n'y a pas de tir. Je trouve que ouais, c'était bien peaufiné. La rejouabilité, je pense qu'il y a une rejouabilité si on adhère au titre. Moi j'adhère au titre, donc effectivement la rejouabilité elle est déjà existante. Pour ceux qui n'adhèrent pas, effectivement c'est un peu compliqué. Je vais couper les pièces parce que là, je
Alors bien sûr, plus on avance dans le titre, plus c'est dur. Plus c'est dur. Donc il va falloir s'acharner pour effectivement connaître les termes, on peut dire ça comme ça, hein. Les ennemis approchent. Par transparence des choses à travers le niveau, à travers le premier plan. Deux players, on peut jouer à deux. Peut-être dans les 300€. Cela dit, elle est vraiment hyper bien. Après, en émulation, le problème c'est qu'il y a des gros lags. Mais bon, après, ça passe. Quoi. Ça passe. Voilà, évidemment, j'aimerais partir sur une version, mais je comprends effectivement. Tellement ça serait bien de passer ce niveau-là. Là, on va gagner grave de stock. Et dès lors que effectivement le stock de petites bombes est plein. Voilà, on a en bas à gauche c'est représenté par des petites bombes, voilà. Donc là, j'ai chercher trois bombes d'avance. C'est bon, c'est bien, ça peut pas gêner. Voilà. Et après, attaquer. C'est chaud, c'est bon. On peut esquiver. Allez. Une transformation. Voilà. J'ai l'impression que, alors après, quelque chose de sans doute moi, mais j'ai l'impression que chaque lycée est adapté à un type de boss. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette présentation, let's play. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.